Colomoani arrive enfin au PSG pour un montant d'environ 90 millions d'euros. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Rondon Colomoani. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Rondon Colomoani a signé au PSG. Et moi, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. C'est vraiment une très très bonne idée parce que ça étoffe ton effectif. En cas de blessure, peut-être de Ousmane Dembélé, tu as un mec qui peut prendre le relais. En cas de blessure, ou bien de départ. En cas de départ de Kylian Mbappé, tu as un mec qui peut prendre le relais. Tu as les Barcola, etc. L'effectif est vraiment étouffé. Mais le petit bémol que je voulais mettre, c'est au milieu du terrain. Je trouve que le milieu est un peu moins bon. Au très très haut niveau, j'ai peur que ça ne puisse pas suffire. Au très très haut niveau. Notamment quand tu vas rencontrer les Bayern de Munich, tu vas rencontrer les City et les Real. J'ai très très peur que ce milieu de terrain manque de créativité. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es enthousiaste sur le PSG? Est-ce que tu penses que ce PSG peut vraiment faire quelque chose en Europe? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.